Alors le what is what, ça n'est pas et une GED, et une GMAO, et un ERP. Oui. C'est plutôt une solution qui combine sur une même plateforme accessible sur votre ordinateur, une tablette ou un smartphone, le meilleur de tous ces outils qui sont très répandus dans le milieu industriel. Nous, nous nous adressons aux industriels et nous leur proposons une solution unique qui va leur permettre de retrouver dans 90% de leurs besoins ou 100% de leurs besoins quotidiens tous ceux qui aujourd'hui est dispersé soit dans une GED, soit dans une GMAO, soit dans un ERP. D'accord. Et justement, à quel problème répondez-vous ? Eh bien, le principal problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ces informations sont dispersées. Plusieurs systèmes, plusieurs formats, souvent dans des systèmes qui ne sont pas interopérables ou qui sont mis en œuvre par des parties prenantes d'un projet à différents moments. D'accord. Et justement, ben, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces informations techniques pour un industriel, celles qui concernent les équipements qu'il met en œuvre ou qu'il fabrique dans son usine, sont regroupés sur une même plateforme. Il y a accès en permanence, tant en interne avec toutes ses équipes qu'avec ses partenaires ou ses clients ou ses sous-traitants. Et le deuxième avantage, le deuxième grand changement, c'est que puisque l'on a regroupé toutes ces informations techniques, nous, derrière, nous ajoutons de l'intelligence, c'est-à-dire que nous les analysons, nous en tirons des éléments qui vont aider à la décision opérationnelle de celui qui met en œuvre le what is what.